Bonsoir à tous, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. C'est une petite asso, hein, on le dit à chaque fois parce que c'est le cas quand même. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, il y a tout en description. Ou allez, venez poser des questions. Ce soir je suis sur New Pokémon Snap. Il y a encore une zone à faire de ce DLC gratuit. On va plutôt peut-être appeler ça mise à jour gratuite. Bien sympa. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si je me pense qu'on va découvrir des Pokémon spectre, peut-être poison, sol aussi, peut-être un peu vol, on va voir. En tout cas, c'est le nom me laissait penser ça. Je crois que de mémoire c'était les terres désolées. Voilà, terre désolée, une lande surchauffée entourée de falaises envahies de gaz toxique. Let's go, je m'avance encore un peu apparemment. Tac. Allez, on est parti. L'objectif de ce soir, c'est de faire le maximum d'XP sur cette zone, que ce soit en jour et en nuit. Parce qu'après tout, c'est mon objectif perso. Donc, let's go. Que va-t-on découvrir dans cette zone? Encore une fois, les graphismes sont sympas. Oh, le Topicœur. Oh, il s'est barré. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Gruikui. D'accord. Mange des pommes ce truc là. Je sais pas, mais il m'a fait un grand sourire. Très rigolo comme Pokémon. Piqueur. Je crois que j'ai vu. Ah voilà, il y avait bien un truc vol. Mais j'arrivais pas à le savoir. C'est un caillou ça? Il est très en équilibre. Qu'est-ce que c'est? Ah mais je les ai déjà eu dans une autre zone ceux-là. Mimboud. Sérieux. Wow! Qu'est-ce que... Il y a un Pokémon là-dedans? Un rocher à l'équilibre précaire, un fort impact pourrait le faire tomber. Ok, d'accord. Et il va tomber dans le trou. Sinon, c'est pas drôle. Alors, comment le pousser, par contre? Ça, c'est une bonne question. Ou alors, il va tomber de ce côté-là. Oh, là! La fleur, je l'avais pas vue. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est? Une odeur sucrée flotte dans les airs. Elle semble provenir de ce sable. Sucré? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a trop de radar là. On se calme. Et là c'est quoi? De l'eau jaillit du sol. Elle semble alimenter l'autre geyser. Bon, il y a forcément un Pokémon. Par contre, du coup, j'ai pas vu quel Pokémon a fait tomber le rocher. J'ai pas vu du tout. Oh, Gruikui. Un sourire. Un petit sourire. Ah, mais il lui crame la pomme. C'est un Pokémon feu. D'accord. Ah, il y a l'autre serpent nul, là. Regardez-moi cette chose. Ah, ils se battent. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Oula. C'est quoi? Il y a des Smogo? Ça a l'air de... On dirait des Smogo. C'est bizarre comme passage ça par contre. Bon, il y avait un Smogo de l'autre côté, j'ai pas réussi à le prendre en photo. Ça c'est quoi? Un Navaltou. Ouais, c'est une poubelle de table quoi. Les substances toxiques de ce marais sont cristallisées. Ah oui, c'est des autres. Ça c'est quoi? Des gaz et liquides toxiques s'échappent de ce rocher. Peut-être qu'il y a un Pokémon là-haut. En vrai. Il y a beaucoup trop de radar par contre. Hein. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu Smogo encore. Hein. Un cratère. D'accord. Et ça, c'est quoi? Oh, Météno! Bon, il n'a pas voulu bouger. Zut. Ah, Lugarok. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et là-bas, il y a un Topicœur. Il se cache. Je
soucis feu. Il a l'air de fuir quelque chose. Faut que je regarde dans les tunnels. Oh là là, s'il y a des Pokémon cachés dans les tunnels, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un topiqueur là. Un Pokémon s'entraîne dans la cavité. Il y a des Onyx aussi. Oh. Elle est grande la zone en plus. Bon, la pomme il aime pas. On arrive déjà à la fin. Wow. Mais où sont les Onyx? Ça va être dur, hein. Il me reste encore 39 photos. Je n'ai pas pris énormément au final. J'entends des bruits. Bizarre. Bizarre, bizarre. Par contre, tous les trous là, ça... Ouais, donc ça veut dire qu'il va falloir essayer de prendre en photo un Onyx qui traverse l'écran à une vitesse pas possible. Bon, ça fera une belle photo, mais ça va être très difficile. Très, très difficile. Alors, le gruit cuit, il est trop marrant ce cochon. Et c'est un Pokémon de feu, ça, j'en reviens pas par contre. Alors, j'ai le droit à une étoile ou deux étoiles. Ça, c'est quand il a mangé la pomme et qu'il était content. Là, on dirait Babe le cochon d'ailleurs. Oh mon dieu, cette photo. Ça, je peux le revoir encore. Je pourrais faire mieux. Du coup, je vais partir sur ça. Allez, celle-là. Il est un peu plus annoncé sur la photo. Poussifeu. Ouais, bah, Poussifeu. Ça m'étonnerait que je fasse mieux que celle qui existait déjà. Topiqueur, de toute manière, j'en ai qu'une. On va partir sur celle-là. Elle est un peu plus centrée. Allez. Dunaja. On dirait qu'il est en train de juger. Il a une tête de Raymond dans la scène de ménage, je trouve. On va prendre celle-là parce qu'il me fait penser à Raymond. Avale tout en une ou une. Bon, bah, comme ça, moi, c'est fait. Alors, ça sera la 3. La 4. Plutôt la 4. Météno. Bah, Météno. Pour prendre des belles photos de Météno, c'est compliqué. Je sais qu'il y en a une que j'avais ratée. Il y a très longtemps, c'est-à-dire avoir tous les métonaux en même temps sur l'écran, ça faisait un arc-en-ciel. Je sais que bah, cette photo est possible, mais je l'ai jamais réussi. Lugarok. Lugarok, ça sert pas à grand-chose que je la garde en vrai. Mais faut faire du scoring, donc... Allez, on dirait un rocker, un guitariste. Tac. Il n'y a aucune donnée, Topiqueur, aucune donnée. Mais non, mais attendez, il est en plein milieu de l'écran, là, on peut pas le rater. Et ça, c'était des trucs de cristal, je sais pas quoi. Diamant ? Ah ouais, je m'attendais pas à ça, par contre. Poussifeu, ça, je m'y attendais. Oh, beau score pour le topiqueur, en vrai. Dunaja. Bon, ben Raymond, il va rester là où il est. Avaltou. Traduction. Sérieusement, la traduction des noms Pokémon parfois. Avaltou. Combien? Diamant, parfait. Meteno, c'est nul. Lugarok. En vrai, elle est pas mal. Mais bon, c'est le professeur qui décide. Quarante mille. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux, ça. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. Eh ben, on n'est pas couché. Parce que s'il y a trois niveaux en jour, il y a trois niveaux en nuit. Ah là là. Oui, on recommence. Par contre, du coup, est-ce que ça va garder le fait que j'ai bouché le geyser au début? En vrai. Et c'était la seule fleur que j'ai vue d'ailleurs à ce moment-là. Je n'ai pas vu d'autres des fleurs. C'est bizarre. Bon, il y a des Pokémon là-haut. Salut. Ah, il s'est barré. Ah, il s'est barré. Ah, oui, toi. Magnifique. Bon, je l'ai pris un trop gros plan, mais magnifique quand même. Oh!
Ils sont trop mignons, les hippodocus. Oh, Crabarak, qu'il arrête pas de m'embêter d'un Pokémon Unite, celui-là. Ah, je suis content de le voir. Mais je suis sûr qu'il est là juste pour faire la promo de Pokémon Unite. Bon, ensuite, là-dedans. Bon, j'ai pas vu. Alors, c'est quoi qui va casser là? Eh ben, je sais pas. Je ne sais toujours pas. Alors ça, c'est fort quand même. Ouais, bon, il fait pas grand chose. Ah, il y a plein de météno. Mais... Ah, mais il faut qu'il fasse nuit pour qu'il... Faut qu'il se bouge. D'accord. Bon, le sucre là-bas, je sais pas ce que c'est. Ça parle de sucre. Là, par contre... Je vois absolument pas ce qu'il peut se passer là-haut. Et là, pareil. Là, qu'est-ce qu'il peut y avoir, là? Je sais pas du tout. Ou alors, faudrait que je le laisse... Tout piqueur. Il est content. Bon, là, il y a le Lunaja encore. Voilà. Ensuite, il y a eu des Smogo que j'ai pas réussi à voir tout à l'heure. Ah là, il y en a un là. Là, il y a une fleur. C'est bizarre lui. Bon, revenons sur la fleur. Qu'est-ce qu'elle fait cette fleur? Oui, mais j'ai bien compris que c'est une fleur de cristal, mais elle fait quoi? Je suis sûr qu'il y a un truc qui peut sortir de là-haut, mais alors quoi? Ou de là-dedans? C'est très 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 bizarre. Là, il y a le cratère, il y a des méténos. Le loup-garoc. Mais il doit y avoir un deuxième passage en fait. Je pense que... Oh! Un lipsy. Et le poussifeu au passage, tiens. Ouais, non, il y a sûrement un deuxième passage. Vu comment c'est. Terraformé, ou je sais pas comment le dire. Mais... Bon, loup-garoc. Ah, peut-être qu'il va manger la pomme. Être ou ne pas être, quelle est la question? Ah, il a lancé la pomme. C'est peut-être moi. Je sais plus. Bon, il y avait quoi dans la grotte, là? Ils sont où, les onyx? Là! Je l'ai raté. C'est pas possible, il bouge. Où sont les onyx? Là! Il y en a eu un. Il est tout le temps au même endroit? Oui. Ok, il est tout le temps au même endroit. Oh non! Je l'ai vu sauter au dernier moment. Je savais que si... Ah, c'était une évidence, je l'ai vu sauter. Ça doit être une belle photo à faire. Mais vraiment.
Or, gris, cuit. Oh! Le petit 3. Ben, ça va être la première, je pense. La première. Hippodocus. Il n'y a pas énormément. Krabarak. 10 photos. Ah oui, j'ai mitraillé. Ah, mais c'est, il est au fond, d'accord. J'étais en train de me dire qu'il est dans le geyser, mais non, pas du tout, il est au fond. Donc, il y a la 7. Non, la 5 plutôt. 5. 4. 4. Ouais, ça sera la 4. La 4, allez. Vaudutrice. La 3. Allez, on va tenter ça là. Mais je suis pas convaincu. Meteno. Enfin, Meteno. Meteno, il sert pas à grand chose pour le moment. Topiqueur. Je dirais la 5. Ou la 3. Allez, la 3. Onyx. Onyx, ça va être compliqué là de faire mieux que ce que j'avais déjà eu. J'ai bien envie de tenter la 4 ou la 1. Allez, la 1 plutôt. Smogo, il est très loin, donc le score va vraiment pas être terrible. Et je pense qu'il faut vraiment passer, je suppose, par le chemin alternatif pour mieux le voir. Je pense en tout cas. J'ai le retour qu'à sauter. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, ok, d'accord, c'est juste l'ordinateur. Alors, avale tout. En deux. Magnifique. Si ça, c'est pas diamant, je sais pas. Lixi. Lixi, c'est du 1. Et là, par contre, je vais avoir du mal à aller au score qui était déjà existant. Allez, la 6. Poussifeu. C'est des petits scores, mais les photos sont mauvaises en fait là de ce que j'ai fait. Allez, la 3. Loup-garoc, être ou ne pas être, telle est encore une fois la question. Ah, la photo peut être mieux en vrai. À quoi que. Il y a un tyrannosif sur la photo d'avant. J'ai un doute. La 2. La 2. La 5. La 5 ou la 6. La 5. Et en aucune donnée, il y a quoi? Ah, c'était le, ouais, le Smogo caché. Bon. Diamant, parfait. C'est pas grave. Oh, j'ai failli battre le score là. C'est dommage. Un topiqueur, c'est moins. Bon, bah, c'est pas grave. Onyx. Ok. Smogo. Ouais, bon, Smogo, ça m'étonne pas en fait. Je suis même étonné d'avoir atteint 2000 points avec Smogo. Ouais. Si là, c'est pas diamant. Oh, nickel. Oh, presque 5000. Dommage. Bon, là, c'est évident. Ok. Ah. Tant pis, tant pis. Je pensais pas avoir pris autant de points là par contre. J'ai pris énormément de points en vrai. Ça m'étonne. Niveau 2. Mais du coup, vu que. Oh mon dieu, ce score. Vu que c'est niveau 2. Le professeur, il va me dire de passer au labo. Ah non. Il veut mettre la photo en ligne, si tu veux. Voilà. J'ai fait une nouvelle découverte. Après le jour, c'est la nuit. Sans blague. Je suis sûr que ça va être ça.
Qu'est-ce qu'a vu Rita? Tu vois le marais qu'on a vu dans les terres désolées, celui qui était entouré de gaz verdâtre. Oui. Apparemment, ces gaz sont hautement toxiques. Bah, en même temps, oui. Absolument. Bien entendu, le Neowan y est entièrement imperméable. Bon, ce Neowan, mais c'est un véhicule qu'il nous faut tous les jours, en fait. Mais il s'agit effectivement de gaz extrêmement toxiques. D'ailleurs, il est intéressant de constater que certains Pokémon trouvent ce genre d'environnement suffisamment à leur goût pour s'y installer. Bon, on a vu des Smogo, de toute façon. Et maintenant... Vous vouliez qu'on y aille de nuit, c'est bien ça. Bah, tiens, après le jour, la nuit, tiens donc. Tu lis dans mes pensées, explorez-en bien chaque recoin. Oui, professeur, c'est parti. Mais avant ça, Smogo XXL? Comment ça, XXL? J'ai vu un Smogo énormissime, il était tellement gros que j'en ai fait tomber mon Explorflex de surprise, du coup j'ai... Ils introduisent le Gigamax dans Pokémon Snap ou... J'espère pas. Il y a déjà assez de choses comme ça ici. Allez, terre désolée. On y retourne, mais deux jours. Alors oui. Alors, voyons le parcours. Non, ah, faut que je laisse la souris. Enfin, la souris, le curseur. En vrai, j'ai un doute sur cette histoire de parcours alternatif. Parce que je pensais que ça ferait passer à gauche des geysers. Et après, ça serait remonté un poil plus haut. Passer au-dessus du truc vert. Et après, atteindre la sortie. Mais au final, c'est peut-être pas ça. J'ai un doute, du coup, sur l'histoire du trajet alternatif. J'ai un gros doute. Reste à savoir si on peut trouver des Smogo d'une manière plus intéressante, du coup. Oh, qu'il est mignon! J'ai le caniche à sa mémère. Il s'est barré. Punaise. Oh, mais il y a une cavité derrière. Oh, ils sont en train de se battre. Alors, toi, chien. C'est un rocabo. Oui, c'est un chien, quoi. C'est pas un Pokémon, c'est un chien. Voilà, c'est bien. Il a donné la patte. Oh, il fait le bruit. Oui, c'est un chien. Par contre, il y a une cavité au fond, j'avais pas vu. Oh! Kangourex. Eux, ils sont en train de se battre. Arrêtez de vous battre! Wow! Ah, c'est le geyser. Non, je suis sûr qu'il y a un truc là. Ça me paraît trop bizarre. Je suis vraiment sûr qu'il y a quelque chose. Bon, la fleur. Poussifeu peut-être. Poussifeu, viens là. Approche-toi, Poussifeu, s'il te plaît. Ouais, comme ça, j'étais en gros plan. Plus vite. Voilà. Et allez. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez. On... Oh! C'était le Météno. D'accord. C'est le Météno. Il y a lui qui est attiré par la fleur. Intéressant. Bonjour les crabaraks. On se retourne? Non, ils s'en foutent complètement. Là-dedans, il y a un truc. Mais alors quoi? Il doit y avoir une autre fleur, hein. C'est pas possible. Là-bas, il y a un... Ouais, non, il y a un autre passage. Non, il y a un autre passage. J'en démords pas, il y a un autre passage. Et là-bas, il y a un truc aussi, là. Mais je vois pas quoi. Ou alors, faudrait y aller de nuit pour retourner dans le jour. C'est bizarre, quand même. Allez, du ninja, Raymond. Salut, Raymond. Ah bah, l'autre, il est allé cramer le serpent. Salut, Topiqueur. Bah, au revoir. Oh, il y a une fleur là-bas. Ok, il y a forcément un autre truc. Il y a un nid aussi. Ouais, non, il y a un autre passage.
suis sûr qu'il y a un passage. Je suis sûr, sûr, sûr. Magnifique. Il peut aller chez le dentiste maintenant. Il s'est ouvert grand la bouche. Bon là, la fleur. Oh, Smogo. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et pareil, il y a un gros cratère là aussi. Encore un petit feu, encore un Lixi, un Votutrice qui marche, un Loup-Garok, un Topiqueur. Ah bah tiens, il y a lui là. Onyx, punaise. Il n'y a pas de fleurs. Allez Onyx, traverse. Allez Onyx. Traverse. Il va pas vouloir traverser. Mais là je ne bouge pas. Lali, t'attends quoi? Punaise. Et là il le fait! Et là il le fait! C'est quoi les conditions pour le faire sauter? C'est pas possible, ils ont pas mis ça juste pour troll. C'est pas possible. Donc on retiendra que les Onyx sont des Pokémon vol, hein, du coup. Bon bref, Crabarak en 2 et en 1. En 2. Je vois pas trop. Et celle-là, c'est quand il se... Bon allez, on va prendre celle-là. Rocabo. J'ai un peu mitraillé le Rocabo quand même. Allez, la 17. Kangourex, bah il est de loin, donc c'est pas ouf. Et le score sera pas terrible. Mais là, il est de face. Bon. Poussifeu. C'est vrai que j'avais dit que c'était plus intéressant. Mais les scores de base sont petits. Allez, on va prendre ça là. Votutrice. Que des photos nulles. Météno. Là, Météno, par contre. Ok, il est pas coloré. Ok, il est pas en pleine nuit, pas lumineux. Mais il est centré. Et un petit peu gros plan, quand même. Dunaja. Ouais. Gricuit en 1. J'ai toujours pas pris en photo, d'ailleurs. Allez, ça là. Topiqueur, il n'y en a pas 50. Loup-Garok, il n'y en a qu'une. Lixi. Photo nulle et photo nulle. Avaltou. Ah. Je pensais que ça ferait autre chose. Mince. Il y en a 12. Non, en même temps, là, c'est du diamant déjà. Donc, j'ai pas trop à réfléchir. Je peux améliorer le diamant, mais bon. J'ai envie de tenter la 12 quand il va chez le dentiste. Allez. Et enfin, Smogo. Le petit Smogo. Tac. Une donnée, c'est grave. Smogo, il va pas faire un grand score non plus. Mais ça pourrait peut-être être mieux par rapport à
la fois d'avant. Ah, Votutrice. J'ai pas le 3 de Votutrice, j'y pense là. J'ai pas la 3 étoiles. Pareil, du Naja, j'ai pas la 3 étoiles. Oh, sérieux? Ça se joue à rien. C'est quoi ces scores ce soir là? Je comprends pas. Ok. Oui, on recommence. Allez, on va faire le coucou. Ok. Hop hop hop, Topicker. Ah, il s'est barré. Ah, il est de dos. Il est pas de dos. Ah, il s'est barré. Il est de dos. Kangourex. Ils arrêtent pas de se battre. Oh! Le pauvre! Bon, là, si j'en ai pas une intéressante, quand même. Bon, ça, je sais pas. Hein. Ça me perturbe. J'ai pas envie de casser le, cette fois-ci le, la pierre. Toi. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Malamandre. Qu'est-ce que c'est moche. Je t'avais pas vu tout à l'heure. Ok. Donc il y a encore des Pokémon à découvrir. Bonjour. Je vois pas par contre. Bon, vous là. Le nage là, je sais pas correctement. Il reste 8 photos. J'ai un peu beaucoup mitraillé là. Ouais, non, il y a forcément d'autres trucs. C'est pas possible. Ouais. Toi, est-ce que tu réagis à la musique? Pas tellement. Smogo. Oh, je l'avais pas compris. Mais. Allô la fleur. Merci. Ah ça y est, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fiche. Il se fiche de la fleur, il l'a vu. Il a vu une fleur jolie et basta. Il y a un mauvais éclairage sur lui là. Vous,
Il n'y a rien. Qui va l'avoir en premier? C'est le Onyx. Allez Onyx, on sort un peu là. Ou alors, attendez. Réflexion un peu. Top. Y'a pas une fleur? Non, alors demi-tour de suite. Saute, Onyx, saute. Je pense que c'est fait exprès en fait. Par contre, il y a beaucoup de topiqueurs à l'arrivée là. Un peu beaucoup même. Donc bon. Rocabo en 7, 1 étoile. Je pourrais améliorer ça là. Je pense à la 11. Non, la 10. La 10, Mogo. Voilà, Kangourex. Voilà, Krabarak. En 2. Allez. L'hippopotame. Poussifeu. Ouais, pas convaincu. Votutrice. Ah, j'ai envie de tenter celle-là, tiens. Malamandre en 1 et en 2. On va partir sur le 2 d'abord. Mon dieu, c'est vraiment moche, c'est flippant même. On dirait un monstre dans Metroid. Allez. Et le gruit cuit. Là, on a déjà du diamant. Allez, ça là. Et Topiqueur, il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Oh, dommage, si proche du diamant. Oh, joli ce mogo. Bien, diamant direct. Oh, pas diamant pour lui. Oh, vous m'avez fait des gros scores là depuis le début. Pourquoi là il manque un poil? C'est pas juste. Bah, j'aurais dû prendre un topiqueur, je pense. Oui. On va recommencer, mais juste avant. Regarde un truc de seconde. Ah mais j'irai ça après en fait. Niveau 2, on y retourne. 431, si cette fois il me met 0, c'est frustrant. Je rappelle que le 0, ça m'est déjà arrivé. Hein.
Il réagit à ça, cool. Je l'ai. Copiqueur. Bon, j'ai eu. Qu'est-ce que... C'est quoi ce Pokémon? Brutapod? Il suit des Dunaja. On se calme, le geyser. Brutapod. Un Brex. Oh, magnifique. On va pas aller toucher la fleur. Par contre, où est le Malamandre? Où est-il? Là, ici. Ok, il était derrière. Donc il réagit au radar. Vous avez fini de vous battre, vous, là? Les pauvres. Ah, il a fait la danse de la victoire. Ça, je sais pas. Direction Smogo ou autre chose. Il y a vraiment une fleur. Ça me paraît vraiment bizarre qu'elle soit aussi loin. J'insiste. Hein. Allez, Smogoton, toi. C'est pas dans le sens auquel je pensais, mais écoutez, mieux que rien. Hein. Juste le Onyx. J'ai appris un Topika ou pas? Je l'ai pris au début. Le Onyx. Il doit y avoir tellement de choses dans les trucs. Oh! Il y a plein de poussifeu! Bon, ils ont pareil. Onyx, il arrête pas de me troll, donc on va avancer. Il n'y a plus de topiqueur là. Ok, c'est juste une cinématique en fait. Le fait que Onyx saute, que les topiqueurs soient là. Ouais, il n'y a plus rien. Ouais. Ah, il a pas sauté. Là, il a pas sauté. Ok, j'ai rien dit, il vient de sauter. Fruit. Bon, je pense que mon score, je l'ai. Hein. Ah, mais j'ai que du 1 et du 2. Je pensais que j'aurais eu une 3. La 9. La 10. D'évaluer la douce quand même. Topiqueur me perturbe. Brutapod. Alors lui par contre
pas d'où il sort. En gros, ils sont 2. 5. Allez, en 5. Non, j'ai dit en 5. J'ai dit en 5. Voilà. Malamandre en 1. La 2, la 3, ouais, la 3, je sais pas. Oh, Krabarak en 4, parfait. Ouais, c'est la danse de la victoire. Ok, parfait. Gruikui, Ixi, ouais, Ixi, Smogo en. Meteno, Poussifeu et le Onyx. Bon, mon score niveau 3 direct. Yes. Diamant, yes. Go. No. Dommage pour les poussifeux. Poussifeux, il doit y avoir un truc spécifique, peut-être. Peut-être, peut-être. Niveau 3. Nouvelle mission, on rentre à la base. On rentre à la base. Les topiqueurs refusent de manger des pommes tendres. Ils n'ont peut-être pas faim. Je vais quand même leur en envoyer. Ils veulent faire un foot avec la pomme. Ah, il y a d'autres missions. Attendez, s'il y a d'autres missions. Bah, c'est où? Je l'ai passé là, la zone. Ah non. Aveugle ? Ah voilà. La pose fait le charme. Alors que je supervisais les recherches, j'ai vu Malamandre prendre une pose particulière à la fin de sa danse. Intéressant. Recrache Smogo. Oh mon dieu, mais Smogo, on peut l'avoir ici ? J'ai entendu un énorme bruit, et quand je me suis retourné pour regarder d'où il venait, j'ai vu un Smogo valdinguer dans les airs. Wait. Dans le geyser, il y a un Smogo. J'ai pas fait gaffe que quelque chose aurait pu être éjecté du geyser. J'ai pas fait gaffe du tout. Quoi ça là-haut? Ok, il y a un lunage. Oh! Il y a le lunage, il est sur. Il était sur le truc là, le brutapode.
Oh mon dieu, toutes les photos. Bon, du coup, le chien, je l'ai raté. Kangourex, il est là. Les crabarak. Bon, bah, on s'amuse. Non, rien d'éjecté. Je ne sais pas ce que c'est. Kangourex, tu veux pas manger? Yes. Bon, à nous. Et regardez qui est là. Ah, par contre, je l'ai raté là. Là, je l'ai raté. Il est sorti du mauvais côté. Zut. Non, la fleur, je peux la voir? Je l'ai pas vu. Bon, arrêtez de vous battre, vous. Oui, oui, Rada. Il est en train de creuser. D'accord. Il cherche une topique. Ah. Bon, là-haut. Toujours les mêmes. Je pense qu'il manque quand même pas mal de Pokémon. Mon dieu, il vient de passer à une vitesse, lui. Il dort. Je crois bien qu'il dort. Smogo, Smogo, il y a deux Smogo. Oh! Malamandre là-haut. Oh, il est pas tourné du bon côté en fait. Qu'est-ce qu'il... Il a grandi, non? Il a grandi, on est d'accord. Mais le cochon qui... Tant pis. Il y a quoi d'autre? On peut quand même le finir? Non, on finit pas le niveau 3, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Dunaja, voilà celle qui me manquait. Ça va faire un petit score, mais bon, moi je l'aurai. Brutapod en 3, pareil. Ça me mettrait bien la 10. Mais j'aime bien quand il dit comme ça, il est rigolo. On va partir sur la 10. Bon, l'hypo, deux piqueurs. Deux piqueurs. Un baraque. Un rex. Smogo en 1 et en 2. Très bien, la 6. J'ai dit que j'ai besoin de faire du score, donc ce sera la 6. Malamandre en 1. Bon, là où il est trop haut. Bon, mais là il n'y a que la 1, et encore ça sera pas, hop, pas top. Rigui.
Il est à 8. Et la Valtour qui est en train de, je sais pas faire quoi, dormir ou quoi. Yes. Est-ce que ça fait un bon score quand même? Un petit joli score. 10, 15 000? 20 000 peut-être? Non. 11 000. 11 000. Mais j'ai quand même pas mal de photos à faire encore quand même. Il y a le Brutapod. Il y a le Malamandre. Il y a le Smogo. Rien qu'avec ça, je peux prendre 12 000. Il y a le chien aussi. Non, il fallait rester assis, le chien. Bon, vous. Ouais. Il y a un truc à faire avec eux. Je suis persuadé qu'il y a l'autre passage. Je vois pas comment ça peut être autrement. Oh non, je l'ai fait sortir du mauvais côté. Zut. Et ils se sont calmés eux du coup. Non, non, il s'est barré. Wow! Par contre, il y a un smoke, lui, là. Il sort des... Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Oh! Je l'ai raté! Punaise. Bon, il y avait un truc à faire. J'arrive déjà sur la fin là. Il reste 30 photos. Hein. Mince. Ouais, ouais. Onyx, il est en bas maintenant. Bah. Alors ça. Il se fiche des pommes là, les poussifeux. Allez Onyx.
Onyx, on prend toi. La quête pour la Valtou. Bon toi, je voulais t'avoir assis, je t'ai pas eu. Hein, donc, voilà. Brutapode. Dommage parce que là il est bien. Même bon, Smogo en 4, je l'ai eu là. Aval tout, c'est la même photo. Donc, j'ai le choix entre photo nulle ou photo nulle. Allez, c'est là. Ixi. Onyx. Alors, je l'ai mitraillé, Onyx. 4. 5. 7. Gros plan sur 20. Que va dire le prof? Suspense. Là, ça devient difficile. Bon, le chien. Bon, on s'en fout. Punaise, je devrais pas le mettre. Lui, on va le faire sortir, mais de l'autre côté cette fois. Qu'il faut que je le fasse sortir de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? J'y arrive pas. Je le fais du mauvais côté quoi. Ah il danse!
tout de même. Oh, le Garrock, il fait dodo. Loup-garou nocturne d'ailleurs, qu'est-ce qu'il... Oh. On est en plein jour. J'y pense là. Même tout à l'heure en plein soleil, il était déjà en nocturne. Toi. Il veut pas se tourner. Bon, tant pis. Et il mange, ça y est. Ok. Punaise, attendez. Attendez. Il va falloir jouer avec le topiqueur dans la grotte en fait. Mais du coup, il est passé où? Oh là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oui, t'as pas dans deux. Vos tutrices. Il danse à la fin. Il n'y en a qu'une, oui, Onyx. Onyx en France, ça... je suis pas sûr que ça fasse un énorme score là en vrai. Pas convaincu là quand même. Oh.
morning. Le Onyx de 4, ça va être l'Onyx qui saute, mais il faut l'avoir d'une manière trop spécifique, je pense. Allez, de 8000, on passe à 7000. Ouf. Dur. Avec un nouveau score de parcours amélioré. Mais il me manque encore 17000, donc là, pour faire 17000, il me faut des nouveaux Pokémon. En fait. Soit des nouveaux Pokémon, soit arriver à prendre les photos qui manquent. Sur le chien, sur le Brutapod, Topicœur au final, j'ai pas grand chose. Hein. Bon, Brutapod. Je vois pas exactement ce qu'il faut faire en fait. Je maintiens l'idée du passage alternatif via une autre route. Mais je suis pas convaincu. Yes. Juste que je voulais. Je suis pas sûr d'avoir eu Météor sur le truc, mais. Oh, j'avais pas vu qu'il levait les bras. Lui là. Il va venir. Allez Malamandre, on croit en toi. Ok, c'est pas lui qui vient. Il va de l'autre côté. Sérieux. Il s'en fout, Topika. Allez, direction le poison. Avec un loup-garoc sur ma gauche. Un Smogo en bas, là, sur la droite. J'ai jamais réussi à prendre en photo. Il a mangé ? Il a mangé ! Ça c'est une photo que j'ai pas, je pense. Oh ! Nickel ! Photo que j'ai pas en plus. Toi. Vous. Il ou Lixi ? Parce que Lixi, en vrai, les photos sont nulles. Hein. Là, il y a un truc là. Je suis pas sûr que ce soit un cratère comme ça. Je suis pas sûr que ce soit Onyx. Vraiment pas sûr. Bon, allez, on avance. On avance. Alors, Topicœur. Il est pas là. Il est passé où? Non, lui il s'en va, ça y est. Topicœur 2, t'es où? T'es là. Ensuite. Là. Ok, ensuite. C'est
C'était ça. Il fallait jouer avec Topicker. Bon, j'ai raté mon Onyx, mais je l'ai eu. Je me suis compris. C'est très contradictoire, mais je me suis compris. Vas-y, ressaute. Il veut plus. Il ressaute après. Je suis dégoûté. Bon, j'ai peut-être la photo du 4 étoiles du Onyx. Peut-être. Elle sera très mal scorée, mais bon. Ah non, même pas. Punaise. Elle est sympa cette photo. Je l'enregistre. C'est dommage parce que il y a des photos avec la pomme qui sont bien quoi. Et ça reste là 24 quand même mal à m'en rendre. Et Onyx. Oh dommage. Ça c'est la photo à 3. Je suis la déception. Ah, Grigui, amélioration. Smogo, page complète. Oh, ça joue pas grand chose. Allez, plus que 9005. En traînant la patte, on va dire en 2 x 4000. Encore 2 fois l'éther désolé de jour, je pense. Bon, le chien. Il va s'asseoir ou pas? Il s'est assis tout à l'heure en fait, c'est ça qui me perturbe. Bon. Mais Topicker, je crois que j'ai compris comment avoir une photo, mais c'est tellement difficile. Je suis triste, raté ça aussi. Mais j'ai pas gardé la photo que je voulais garder tout à l'heure. Oh. Bon, on accélère. Toi, tu vas t'envoler vers d'autres cieux. Il est où Mais il passe de l'autre côté, pourquoi? Plus comment gérer ma lamande, je ne sais plus. Salut Yakipon, la margarita c'est sympa.
je n'en ai jamais goûté. Après, la margarita, pour moi, c'est plutôt une pizza. Allez, Topicker, il va ici. Yes. J'ai perdu Topicker. C'est pas lui. Arrête de me troll, Topicker. Punaise. Bon, là, j'ai pas une photo du Topicker bien, quand même. Lugarok. Voilà, c'est pas grave, c'est juste pour dire que j'ai pas une photo de Lugarok. On sort d'un restaurant mexicain, mama, que c'était bien, faudrait y aller. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé mexicain, bordel. Tellement longtemps. Un petit chili con carne là. Qu'est-ce que c'est bon ça. Mais bon, c'est de la viande. Quoique, il y a des chili con carne VG maintenant. Quand tu danses? Tu peux pas danser. Ah punaise. Ah oui toi, la fleur, vite vite, la fleur. Grandis. Non, grandis encore. Allez Smogo, s'il te plaît, fais-moi ce plaisir. La Team Rocket, tout ça. Non. Ah il est tourné cette fois-ci. Topicker, on a dit d'abord Topicker. Topicker, faut qu'il parte de là. Yes, ensuite. Là, il y en a un. Il est parti ou pas? Je vois pas. Ouais, c'est bon. Et après, il y en avait un en bas. Bon, toi, tu vas partir aussi parce que tu m'embêtes. Là, ici, il y en a un là. Topicker, il y en a un là. Yes, et maintenant, photo. Yes! Je l'ai eu! Oh punaise, enfin. Je pense que je l'ai eu. Ah! Et eux, ils sortent. Ils attendaient juste ça, que le Onyx sorte, en fait. D'accord. Allez, tenez, la pomme, c'est pour vous. J'arrive pas à les avoir un gros plan. Ils vont pas assez vite. Je suis en train de faire un shooting d'un marathon de poussifeu quoi. Il se fiche de la pomme maintenant. Oh non, aucune photo. Oh, je suis déçu. Bon, il y a intérêt à ce que ce soit du scoring alors. Bon, bah, je pensais que l'Onyx. Bon, tant pis. Les Topicker m'embêtent. J'ai vraiment aucune photo bien de Topicker depuis tout à l'heure en fait. Hein. Je vais tenter, je sais pas, c'est là. Rocabo, Brutabo, Hippo. Je suis triste. Non. Ça le compte sur le Votutrice et pas sur l'Onyx, sérieux? Oh non. Non. Onyx. Non. Mais non. Sérieux le jeu? Oh, je suis dégoûté. Bon, poussifeu. Le marathon de poussifeu, ça compte pas?
cette photo de poussif. Même pas, j'ai pris 29 photos de poussif, autant pour moi. Je vais mettre ça là, mais sans aucune conviction. Bon, malamandre. Malamandre, c'est pas bon. Krabarak, Lugarok, Avalpou, Smogo, le Kangourex et le Meteno. Et le rayon laser de la mort. Punaise! Au moins, dites-moi que j'ai fait au moins 4000. Au moins 4000, s'il vous plaît. Sur le score final. Punaise, mais l'Onyx, je suis dégoûté. Ok, 622. Là, ah ça, le chien il est assis. Ok. Voilà. Un topiqueur, je sais plus quoi faire avec la force. Ah, mais topiqueur. Oh mon dieu, j'étais bien là. Nickel, malamandre. Si ça, c'est pas des meilleures photos de malamandre, je sais pas ce que c'est. Oh, Poussifeu, il s'est fait bloquer. Il s'est fait ninja la pomme. Bien fait, Poussifeu. J'ai entendu un bruit bizarre. Je sais pas. C'est peut-être rêvé. Ah, Topiqueur, il est là-bas. Bon, c'est pas... Enfin, lui, là, Lugarok, on dirait un dépressif. Je sais pas ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? La fleur, elle est où? Voilà. Il était pas là, lui, tout à l'heure, où j'ai rêvé, ou...
Bon, il y avait bien un deuxième Smogo. Et de 3 d'ailleurs. Bon. Il me reste 8 photos. Toi, tu t'en vas de suite. Je veux plus te voir là. Va-t'en. Va-t'en. Voilà. Topiqueur. 1. Ok. Lui là-bas. Ok. Ensuite, il y a un topiqueur là. Voilà. Et il y a un topiqueur là. Voilà. Et là. J'ai encore eu le... C'est lui au fond là-bas qui me troll en fait. Punaise. Dégoûté. Mais vas-y, Onyx, vas-y, moque-toi de moi. Ouais. Oh là là. Bon, Rocabo. Parfait. Je savais bien que. Ah si, elle allait rapporter des points, lui. Bon, 7, non? Ah, quoi que, 7 peut-être. 7 ou 5. Ouais, elle est à 7. L'hippopotame. Brutapod. Kangourex. Malamandre. La 12 ou alors la 12. La 12 ou la 12, allez. Meteno, il n'a pas 50. Oui. Topiqueur. Topiqueur, j'y arrive pas. Topiqueur vraiment c'est que... Le Onyx, bah forcément c'est raté. Lugarok, c'est. Le Garrox ça sert à rien. Smogo. Ah, Smogo ça peut être intéressant. Donc la 16. La 15. Ou la 14. 15 ou 14. Ouais, 15 ou 14. Allez, 14. Avaltour, voilà. Tutrice qui me troll jusqu'au bout, mais regardez-moi à gauche de la photo, quoi. Dégoûté. En effet, ouais. Hi. Allez. 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 Bon, je le dis de suite. Ce sera comme pour la zone de la dernière fois. Ça sera coupé en deux. Je vais faire une pause une fois que le niveau 3 sera au max, là. Et après, je ferai les terres désolées de nuit. Bon, toi en 4. Le chien en 4, je vois pas ce que c'est, en fait. Ouais, il a remis la couette, il est content. Topiqueur, je te hais, Topiqueur, je te déteste. Il y a eux là-haut là.
peux pas les gêner. La pomme, t'es gentil, mais. Bon, okay, ils ont disparu. Vous deux. Ok. Hop là, le mété-noix, il va nous embêter. Attendez. Trop tard! Punaise. L'arbre, l'arbre. Punaise d'arbre. Qu'est-ce que je me gêne? Regardez-moi ce truc. Mais. Il me troll aussi, ce Pokémon. Au secours. J'arrive plus à réfléchir. Une odeur sucrée flotte dans les airs. Bon, ça, je suis pas revenu depuis un moment, mais là-bas, il y a quelque chose aussi. Mais quoi? C'est ça le truc. Sucré. Les pommes, c'est sucré. Est-ce que des Pokémon, c'est sucré? Je ne sais pas. J'en ai jamais mangé des Pokémon. Je ne cherche pas à en manger. Topiqueur. Vilain. Vilain. Voilà. Tac. Mais il est passé où? Oh! Vas-y, trouve le Topiqueur. Cherche. Cherche. Bon, il a pas envie. Allez, Raymond, il est là. Il va attaquer l'autre ou pas? Ah oui. Il attaque l'autre. Et l'autre, il se défend pas. Bon, bah écoutez, c'était Raymond. Il était content. Voilà. Bon, le garage, je le prendrai en photo après. Il y avait pas un... Bonjour. Un Smogo qui volait tout à l'heure, là. Comment j'ai fait pour faire voler le Smogo? Donc il y a lui là-haut aussi. Il est en train de danser assez GG. Attiréré. Il devient assez GG. Mon dieu, ça y est, je vais réécrire une chanson. Ne pas faire ça. Et lui qui. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'en ai marre du sommeil du lui là. Il y a lui aussi là. Tac tac tac. Là-bas, je sais pas trop pourquoi. C'est... Je maintiens encore une fois, je me répète, mais je suis sûr qu'il y a un autre passage. La zone me paraît trop grande en fait. Bon, est-ce qu'on va se faire troll encore une fois? Suspense. Allez, un Topiqueur. Deux Topiqueurs. Trois Topiqueurs. J'ai pas eu le Onix parce que il y a ce fichu oiseau. Tiens, loulou là. Détends-moi, s'il te plaît. Loup-Garok, viens là. Loup-Garok. Non, Loup-Garok, reviens. Ah. Vilain Onyx. Ah, il n'y a aucun point d'exclamation. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Bon. 4100, 4003. Brutapod. Bon voilà, Crabarak. Oula. 3006, 3007, 3007. Allez, ça va. Malamandre. 4003, 4002. Ouf. C'est un là parce qu'il bouge le popotin. Poussifeu. Poussifeu, pareil, c'est hyper difficile à monter en score. Topiqueur. Voilà. Bruit cuit. 4003, 4002. Dunaja Raymond.
4002, 4006, 4005. J'ai bien envie de tenter ça là. Loup-Garrock. Bah, Loup-Garrock, c'est juste pour prendre un photo en Loup-Garrock. Bon, Smogo, 4... ah, pardon. 3007 ou 2009. Oh, 2009. Ah, ça sera pas forcément mieux en vrai. Je tente, mais... En vrai, je suis pas sûr. Attendez, on va bien analyser. Et là... Ouais, non. Non, ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux du tout. Rotutrice. Fichu, regardez-moi. C'est, en fait, là, pour moi, ça, c'est Onyx. C'est pas Rotutrice. Juste parce que le curseur était pas bon. Résultat, la photo de Onyx, voyons. Oh, en vrai, ça, je... Oh, bon, okay. Allez, en vrai. Ça va être dur pour Smogo, apparemment. C'est déjà compliqué. Mais, ah, en vrai, bon, ça, je suis frustré des photos de juste avant de Onyx. Mais celle-là, si elle fait pas un score, celle-là, je la sauvegarde parce que bah, je suis content de l'avoir prise. Il faut que je pense à la sauvegarde. Ah, dommage. Ah, Krabarak, un poil mieux. Ah, du nage, j'ai tenté, ça s'est pas joué à grand chose. Et Onyx, attention. Oh, c'est même pas diamant. Ça m'embête, ça veut. Ça m'embête. Ça me fait mal au cœur. Elle est bien celle d'avant en même temps. Oui, bien sûr, mais bon. Oh, 3003, punaise, presque. Est-ce que j'ai le droit de sauvegarder des photos du coup ? Mettre à l'album à jour, oui. Je tiens à garder la photo du Onyx. Oui, parce que là, il y a marqué Rotutrice, là. Sinon, c'est pas drôle. Regardez-moi ça. Rotutrice. C'est celle-là ? Mais celle-là, je la garde. Ouais, celle-là, là, je la garde. Je la veux. Voilà. On recommence. 1000. Bon, en gros, faut viser les 2000. Faut viser les 2000. Le chien, il me manque un truc, je sais pas quoi. Les topiqueurs, il manque tout des topiqueurs. Voilà, j'ai mis des pommes et maintenant il s'en fiche. Le chien, il se barre. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Photo de Topiqueur. Bon, je ne peux que les avoir. Si je ne sais pas, c'est qu'il y a des problèmes. Salut, vous, tutrice. Fleur. Ça sert à rien. J'ai trouvé ça joli. Ensuite, musique. Bon, je pense que les 2000, je les ai là quand même. Juste avec les topiqueurs. Et en plus, ça a fait une mission. Obligé que ça a fait une mission. Ah mince, le radar. Tac, ça on avance. On dit bonjour au petit cochon trop mignon. Salut, toi. Bon, on dit bonjour à Raymond.
Bonjour Raymond. Voilà. Oh mon dieu, j'ai pris une photo horrible. Horrible. Bon, ça là-bas, je sais toujours pas. Je sais pas. Ça là-bas, je sais pas. Smogo. Oh! D'accord. Pas content, Smogo. Ça, c'est pas des belles photos d'un Smogo, ça. Voilà. Oui, je laisse pas. On avance. Pourquoi Miranda, le Dunaja? Pourquoi Non, alors, pourquoi Raymond? Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, le Dunaja, il a fait une gueule. On aurait dit Raymond dans Saint de Ménage, le vieux. Et du coup, c'est voilà, j'avais envie de l'appeler Raymond. Et du coup, c'est resté. Pour Smogo, faut mitrailler de pommes, il grossit. Il grossit encore plus? Peut-être qu'il peut exploser et faire plus de gaz. Oh! Pas bête. Pas bête, pas bête. Toi, tu t'en vas. Tu me trolles. Bon, tant qu'à faire. Hein. Ensuite, c'était où? C'était là. Et après, c'était celui-là. J'ai un doute. J'ai un gros doute. J'ai pris une photo du loup-garoc au vol. Il reste un truc à faire. Voilà. J'ai vu grossir une fois. Une fois, oui. Mais après, est-ce qu'il peut grossir plus? Je sais pas. J'ai un doute, mais c'est peut-être pas impossible. Hein. Ça ferait un Smogo Gigamax. Oh, mon dieu, quelle horreur. Yes, Topiqueur, la quête, trop bien. Allez. Bon, par contre, on en voit que la moitié de l'autre. Allez, ça là. Gros cabot en 1, en 2, en 3. Lugarok. Ah, il y a peut-être mieux en fait. Hippopotame, crabarak, malamandre. On va tenter ça là. Bruit cuit. Raymond. Oh, quelle horreur. Voilà, c'est ça là que je voulais. Ça là, elle est rigolote. Smogo, alors 1, 3007 et celle-là. Oh punaise, celle-là elle est nulle. Là il est rigolo par contre. Il tire la gueule. Bon. Je peux peut-être améliorer celle-là. Oh, quoique j'ai un doute. Hein. À partir de la 10. Hop là, la 10. Oh, j'ai un doute, la 13 peut-être. Pour l'instant, je partirai sur... Ah, punaise, il y a la 15 qui est sympa. La 15, il est bien en face. Je partirai sur la 15. La 18. 15. La 15, encore une fois la 15, je dirais. Ah, peut-être la 20. La 20. Mon dieu, ce que j'ai spammé les photos sur lui. La 15 ou la 20? Allez, la 15. Onyx. Nickel. Parfait, la 3. Si la 3, elle est pas bonne.
nickel. Bon, c'est bon, j'ai mon niveau, ouais, du coup. Yes. J'ai eu que 8000 quand même, hein. Mais ça suffit. Du coup, je veux l'autre photo du Onyx. C'est celle-là que je voulais sauvegarder. Voilà. Et on ne recommence pas, non, on rentre à la base. Parce que là, il y a le niveau max. Et on va se poser un peu. Alors, les missions. Tout affiché, c'était. Mince, c'est quoi la région? C'est Aptos? Oui, c'est Aptos. Allez, deux missions de fête. Ça, c'était tout à l'heure. Voilà. Voilà, voilà. Et on va passer à la nuit dans un instant sur Twitch. Demain pour YouTube. Enfin, pour ceux qui regardent les vidéos YouTube maintenant. Enfin, bon, c'est bien. Ouais. Donc, pause Twitch, je reviens dans un instant histoire de voir, s'étirer, etc. 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 Attends, dans l'émission, il y a Smogogo qui. Plein de X et de L. On va lire ça ensemble. Smogo XXL. J'ai vu un Smogo énormissime. Il était tellement gros que là, oui, il a fait tomber l'appareil. Il y a la fleur que j'ai déjà allumée. Déjà lancé des orbes sur le et les Smogo qui étaient proches. Ça n'a pas fait grand chose. Au vu de cette photo, ça a l'air d'être en plein jour en plus. Mais j'ai réussi à mettre ici que deux Smogo. Peut-être qu'il faut mettre les trois. Pour faire un Smogogo. Et avoir une évolution en live. Ce serait intéressant. À voir. À voir. De toute façon, là, je ferai peut-être de nouveau un tour dans le mode jeu, dans la version jour après la nuit, pour vérifier 2-3 trucs, parce que j'ai quelques théories aussi sur d'autres choses. Hop là. Je ne me mélange pas et ne m'emmêle pas dans les câbles. Twitch, dans un instant, je vais voir tout ça. YouTube.